Une petite faute de propre sur les règles du chat. Ah, c'est possible. C'est possible. Je vais très bien. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que t'as raté? T'as juste raté un moment riche en émotions. Qu'est-ce que t'as raté d'autre? Beaucoup de fails, de morts inutiles et complètement connes de ma part, mais sinon, tu n'as pas raté grand-chose d'autre. Putain, c'est moi le type. Comme ceci, par exemple. Le fail ultime de Champy. Allez, on va tout recommencer. J'avoue. Surtout que il se peut que j'écris les règles à un moment, un soir de fatigue. Mais on fait toujours des fautes quand on est fatigué. Ah, ça c'est sur le chat parce que j'ai vite fait retaper, enfin j'ai écrit vite fait. Ouais, j'ai écrit un soir de fatigue, justement. Je me rappelle, j'avais écrit ça pour le mettre à jour. Je pense aussi, mais bon. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop accès au chat, enfin aux règles du chat, pour te dire. Je ferai ça, mais merci de me rappeler, de m'avoir, de m'informer, enfin de me tenir au courant des erreurs. Putain. Ah, mais j'aime pas là cette vue-là, non! Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je te fais confiance. De toute façon, j'estime que vous êtes des personnes respectueuses. Et de toute façon, j'aurais remarqué. Si ça aurait été du troll, donc. Eh, mais la grosse putain de. Ah putain. Ah putain de. Non! Je peux être aussi nul? J'en pleure! Je pleure de ma nullité, quoi! J'en peux plus là. Oh, fais chier. Ah! Non, mais sérieux. Quitte pas mes rips. Ah, sérieux. J'ai envie de finir cette putain de deux niveaux avant de faire le boss. J'ai pas envie de rater sur le sur la même zone que. Qu'au précédent stream, je voulais faire ça vite à la base. C'est chiant. Comme quoi le fail est toujours là. D'où le titre, qui est un jeu de mots. Pense à moi mercredi dernier, c'était mai. Ah oui, pense à toi. C'est pas prêt, c'était contre un boss, je suis même pas au boss là. Le boss, j'ai pas encore fait. Je m'économise pour le boss. Les personnes qui n'apprécient vraiment pas le fait de se faire corriger. Oh, t'inquiète pas, de toute façon, je suis ouvert. Hein. Puis, tu sais, avoir des avis pour améliorer, pour s'améliorer, c'est toujours bénéfique. Hein. Je suis pas seule personne qui refuse de l'aide. Bon, c'est le 2. Le tout premier, ça va être le 3.
Si tu veilles, je veux voir. Lol. Avant, j'ai été dans le donjon. Lol, les concentrations. Persister, mais ça va être trop chaud. Les seules moqueries, voilà, qu'on va dire que vous avez le droit, c'est vous moquer de mes fails. Les clips sont autorisés. Ça vous tente. Je ne le connais pas du tout. Ah ah. C'est un vieux jeu de PS1 qui s'appelle Gex Hunter the Gecko. Donc lui c'est le deuxième parce que le premier il était en 2D type scrolling. Là c'est la version le 2 et c'est une genre de version 3D du jeu. Après il y a le 3 que je n'ai pas testé et graphiquement enfin l'affiche ne me plaisait pas trop, elle faisait un peu vulgaire. Mais c'est un des jeux que j'ai joué à mon enfance, c'est d'ailleurs le principe du Nostal Stream. Donc j'avais déjà streamé auparavant comment ça s'appelle Gex non pas Gex Spyro. J'avais streamé Croc, enfin qu'il va falloir que je restream parce que faut que je refasse en entier. Allez. N'hésitez pas à clipper ça. Ça me fait toujours de la pub. Puis c'est toujours une marque des moments qu'on passe ensemble. Non, il y aura les rediffs, c'est déjà ça, mais les clips, ça reste autre chose vu que c'est un petit bout du moment. Enfin, c'est un petit bout du stream. Non, 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 tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Allez. Donc pareil. Enfin moi, enfin après franchement, je suis vraiment, j'accepte hein, qu'on me corrige. Hein. Je suis le premier à demander de l'aide pour les corrections parce que je sais que qu'on est imparfait, qu'on fait tous des erreurs. Donc si tu veux des détails, c'est un genre de jeu de plateforme, enfin c'est un jeu de plateforme. Donc on est le lézard qui doit sauver le monde de la télé d'un extraterrestre qui envahit la télé, entre guillemets. Donc du coup on se balade à travers les chaînes de la télé. Allez, Gérard contre-attaque. J'ai pas le bon réflexe de clip, ils vont toujours trop tard. T'inquiète pas, si Zef serait resté un peu plus longtemps. Zelf et ma petite. Enfin, Zef et notre petite Chloé, ce sont des pros du clip. Hein. S'ils seraient restés un peu. Enfin. C'est un exemple. Elles savent très bien clipper. Je vais leur demander des conseils. C'est un lapinus lézerus. Non, mais sérieux! Je peux plus! Je pense qu'on va abandonner ce monde. Adieu, monde cruel. Gecko, c'est un gecko. C'est cosplay sans lapin des fois, de ce que je peux voir. Dans ce monde, c'est un monde des lapins, non? Enfin, c'est un monde de lapin, et du coup, il se déguise en lapin parce que ouais, t'as le chasseur et le lapin. C'est un trou de lapin en fait. Moi, ouais, j'ai essayé de refaire ce monde. Tant pis, au pire, je passerai la nuit pour avoir ces putains de trucs.
Ouais, du coup là c'est le monde bucolique des bisounours et des lapins. Des schtroumpfs. Et le monde qu'on a fait aussi, enfin que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un monde qui est plus le monde des maisons hantées d'Halloween. Un monde que je n'apprécie guère d'ailleurs. Parce que c'est un monde de trolls, on va dire. Je crois que je vais faire ma crise économique pour les armes. Ah là là, mon chéri, le style ne va pas du tout. Exactement. C'est magnifique. Le rouge ne va pas du tout avec le vert, voyons. Pense un peu à ton look, mon chéri. Faut vous rappeler que c'est le monde le plus facile, exactement. Et que je suis un très mauvais joueur de jeux de plateforme. Bizarrement, j'ai choisi que des jeux de. J'ai surtout eu beaucoup de jeux de plateforme à vous montrer. Donc j'ai envie de vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Putain. Et j'aime pas cette vue. Ce niveau, enfin, ce passage, c'est comme le passage des tortues dans Spyro. Faut que je vous explique. Un passage où on doit sauver des tortues d'un chaudron dans Spyro. Et on a le même angle de vue. Et ce type d'angle de vue, c'est ignoble. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Parce que on va dire que le contrôle du mouvement est pas naturel. Dire rip. Exactement rip. En plus, j'arrive pas à contrôler le perso là, je fais n'importe quoi. Mais c'est quoi ce monde qui fait pleuvoir des lavabos et des poids? Je sais pas, ça doit être le clin d'œil Looney Tunes, je pense. Si vous connaissez Bibip et le coyote se fait souvent écraser par des objets lourds. Mais ça, on ne fait pas le poids. Là, tu m'as tué, Nim. Pour une fois que j'approuve ta blague. Pour une fois que j'approuve tes blagues, Kappa. Ah, attention au symbole, le Roadrunner. Attention au caps. Mais non! Mais non, sérieux! Putain, c'est quoi ce monde là? Ce monde ne veut pas de moi. Ce monde ne veut pas de. On va passer en mode lapinou, on va sauter partout, tant pis, hein. Désolé pour toi. T'as rien fait de grave, hein, c'est juste le bot. Enfin, les bots, ils sont un peu violents parfois avec les viewers sur le chat. Voilà, exactement. Un peu trop, c'est un peu un nazi du vocabulaire, on va dire. Il y a un nazi du chat. En plus, elle s'est foutue de ma gueule, ces plantes. Elle cherche la bagarre, hein. Elle cherche la bagarre.
Normalement, si, il y a une télécommande cachée, je pense ici, que je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Vengeance! Ce soir, c'est sardine. D'ailleurs, j'ai le jeu Bibit et le Coyote, hein, dont je vous disais que je pourrais vous montrer plus tard. Je ferai pas de suite, peut-être. J'ai prévu d'autres jeux avant Bibi et le Coyote. Enfin, t'es pas un coyote dans le jeu, t'es un loup. Voilà, c'est à peu près le même truc. Il doit choper des moutons et attraper Bibi. Donc, sérieux. Je me fais persécuter par un bot. Ah. Désolé. Le bot me persécute souvent les joueurs, les viewers. Le 4, je crois. Mais il en manque un et je sais où il est. C'est un streamer. Ouais, je confirme. Je... Streamer très sympa d'ailleurs. Allez, de la vie. On veut de la vie. D'ailleurs, qui est streamer d'une chaîne partenaire à la mienne. Enfin, on a un... Non! Putain, mais non! Sérieux? Don't critique. No comment. Savoir qui dit c'est qui Bibi. Ouais, je crois que c'est pas du tout mon monde. Mais le pire c'est que j'avais réussi à les avoir tous la dernière fois, quasiment. J'ai déjà fait sans mourir ce monde. On va tout refaire. Hop. Dernier try, après on change de jeu. Si, je peux esquiver les balles du gars. Mais esquiver les... Mais après, c'est juste que l'angle de vue est assez... relou, on va dire. J'essaie d'esquiver, mais c'est assez galère, on va dire. Alors, on monte. C'est pour une histoire de champi quand même, hein. Je tiens à le préciser. Bisbifoc. Alors, l'anime, t'avais pas le droit parce que. Bisbifoc, c'est pas trop de la qualité, c'est un truc pour les petits quand même. C'est. Non, là, ça vient de Final Fantasy X. C'est Final Fantasy, le personnage de Bibi en question. Oh putain! J'ai trouvé la télécommande cachée. J'ai génie pour... je sais pas quoi. Ah.
GG à Cyril, pardon. Fais toute la priance pour Champs. On fout, j'aime les bifoques. Putain, le mode manuel il est un peu galère quand même. Heureusement que j'ai pas dit speedrun ou quoi que ce soit du jeu, quoi. De toute façon, déjà, je suis pas speedrunner. Je m'appelle pas assez vite ni Chloé, donc. Et fuck alors. Voilà. Rip. Attendez. Quatre. Moi j'en ai déjà fait, mais en général je suis déjà bien bourré. Ou alors sinon les blind test, je fais ça. Je vous conseille la Mia MG, un streamer, enfin The Amasseur, qui fait par moment des streams blind test et c'est vraiment très sympa. Putain. Attendez, est-ce qu'on a déjà eu lui? Oui. Putain, mais font chier ces fleurs aussi, pardon, excusez-moi. Je m'excuse hein, pour tous les gros mots, mais... Et surtout, il pleut des vieilles. Des grosses femmes, il pleut des laiderons, ouais. On l'a fait celui-là, attendez. On va faire ça. Vous allez comprendre pourquoi. Putain de... d'Arnaud de sa mère. Avec tout le respect que j'ai pour cet humoriste. Ah, c'est vrai, tes amis ne vont pas me voir dans leur team. Alors. Alors. Non. C'est quoi déjà? Je sais plus comment on se met en mode auto. Putain, mais non, champi, sérieux. Je suis désolé si on fait du mono niveau là. Putain. À dire que ça fait trois fois qu'on reste sur le même niveau, quoi. J'ai l'impression que même Spyro est plus facile. Sorry, Charlie. Normalement, je peux changer la caméra, tu vois, regarde. Je suis en automatique. Mon niveau automatique de la caméra est assez ignoble, on va dire. Fais ça. Alors, attends.
Demi en automatique et c'est pas automatique justement. Ah voilà, du coup, pour te dire Cyril, il y a soit manuel, semi-automatique et automatique. Bon, c'est surtout que j'ai perdu l'habitude d'utiliser cette commande. Bah donc là je suis en manuel. C'est juste qu'en fait il faut que je me centre et tout et que j'y arrive pas. Mais en fait le mieux ce serait qu'on prenne tous les trucs là, mais c'est chiant quoi. On va s'occuper du gros truc, après on va prendre tout ce qui est champignons, hein. Putain, je suis vraiment nu. Là, bizarrement, je peux pas changer l'inclinaison des caméras. En fait, ça dépend de l'angle, ça dépend. Putain, mais c'est cet angle de vue sans contour de caméra typique jeu PS1, c'est normal de galérer, mais si tu peux contrôler la caméra, prends le temps d'ajuster la vue pour ne pas sauter à côté de la plateforme. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Alors là, tu vois, je contrôle la caméra. Bon, déjà, on va s'occuper du mushroom de début. Ah, mais c'est-à-dire qu'on a déjà pris les autres mushrooms, en fait, bizarrement, quoi. C'est-à-dire qu'il faut refaire les autres. Au moins, sauter, ça permet d'esquiver. Ah, mais en fait, il nous en manque juste un, quoi. Il nous manque juste un bridou. On n'a pas mangé assez de saucisson, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'a pas la force, le courage. Oui, je me mets au niveau des blagues de Nemesis Gaming 59, notre ami streamer. Et des blagues de Nîmes aussi, tant que oh putain, j'ai trouvé! Oh putain, my gosh! Je sais où il est! Ah, mais le truc bâtard! Je l'ai trouvé, hein. J'ai trouvé le champignon manquant. Par contre, pour tous les avoir, souhaitez-moi bonne chance, hein. Pour avoir le dernier. Juste là. Merci aux 5 viewers. Vous êtes 5, vous êtes restés, c'est sympa. Putain, mais comment on fait quoi? Sérieux. Je comprends pas. Je ne comprends point. Mais ça veut pas, hein. Bon, ça veut pas, ça veut pas. La paire, il n'y en a pas de. Donc tu me vis derrière. J'essaie d'aller sur l'enclume, sauf qu'elle se penche en fait. Te dire. Attends. Il faut trouver la bonne inclinaison de caméra, etc. Au fond non plus, mais run. Putain.
Je stresse à fond. Je stresse à fond. Oh, il faudrait un truc qui fasse contrepoids. Allez, champi. Tu n'es pas si nul que ça. Bah là, je suis à l'autre bout pour te dire. C'est pas possible. C'est impossible. Donc ça c'est pas possible, j'y arriverai pas. Ouais, je vais essayer de faire ça, mais le problème c'est qu'en fait il faut que je monte là, je pense. Déjà, faut pas que je me fasse écraser par le truc. Confusion, nowhere change. Il y a pas marqué le fail, c'est par là aussi. Faut constant que incliné. Ouais, c'est ce que c'est quoi j'ai pensé. Putain. Oh. 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 Putain, j'ai réussi. Oh, putain. Le crégasme. Le crégasme absolu. Le crégasme de la victoire, les amis. Putain, il ne nous reste plus qu'à voir l'autre télécommande et on a tout. Alors, maintenant on va s'occuper de la télécommande. Hein. Merci Stémé, merci tous. Maintenant on va s'occuper de l'autre truc. Le lézargasme. Je viens de penser que j'ai toujours pas à... Il faudrait que je demande à Kiji de faire les émoticônes GG et fail d'ailleurs. L-E-R-E. Je crois que ça passe. Il est heureux. Exactement. Je suis heureux de pas fail. Parce que le fail c'est le mal, vous voyez. On s'occupe pas de ça d'abord. D'abord, alors. D'abord, ce qu'on fait, on s'occupe du truc de la télécommande cachée. On va appeler Steak. Parce que c'était caché. Putain. Alors là, alors, putain. Non mais oui, je suis content de pas fail, c'est sûr tout ça, et non, j'ai pas réussi, et ce passage va être compliqué, là là c'était caché, putain, elle a noté ma blague de merde.
J'en peux plus de mes blagues, oui, j'avoue. J'aime bien dire de la merde aussi. Voyez, c'est là. Non, 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 non. Putain de... Mais sérieux? Putain, mon chat qui fait des conneries. Je vais peut-être faire une pause juste après. Alors... Putain, ça sent pas bon, je crois que mon chat a fait des bêtises. Je vais peut-être faire une micro-pause après ce niveau. Parce que je pense que j'ai avoir besoin de prendre, de faire deux, trois petits trucs et de gérer mon chat. Ouais, ça va être de Ténim. Comme tu veux, comme tu le sens. De toute façon, je pense que je reprendrai le... De toute façon, demain à 10h, je referai un stream. J'ai décidé de reprendre les streams du matin aussi en plus. Putain. Je pense que ça, je ferai à la fin. Pire, je reprendrai ça demain, ce niveau. Ah ouais. Non, pas de problème. Ben, après, c'est pas grave. Si t'es pas là, je t'en voudrais pas. Bon stream, tu sors et demain. Merci Nimrodel, ben repose-toi bien. Merci pour tout, hein. Et ben on se à bientôt, certainement à lundi si on se revoit pas demain. En tout cas, merci pour tout. Ça m'a fait vraiment très plaisir. De t'avoir, histoire d'avoir parlé. Ça fait vraiment très plaisir de tous vous avoir. Ça va être, je vais reprendre ça au frais, je pense. On va save la partie. On va save ce niveau. Je vais faire une mini pause, histoire de gérer mon chat. Déménagement et tournage, ça va être YOLO. Pas de problème, t'inquiète pas, Nim, tu sais, je comprends tout ça. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Il me manque juste l'autre télécommande cachée. Je vais mettre le jeu en pause. Je reviens dans 5 petites minutes. Donc restez là. Bon, je vais pas mettre la pub.
Parce que voilà, pas forcément besoin. Mais juste couper la caméra et le micro. Mais je reviens d'ici, ouais, 5 minutes. Du coup, soyez sages. Et à bientôt. Non, tout de suite. Vous m'entendez ou pas? 1, 2, 3, 1, 2, 3, la personne m'entend. Voilà. T'as fait des bêtises. Télécommande. Voilà, tu files. T'as fait des bêtises. Ah, je suis pas content là. Sérieux, putain, t'es ingérable, hein, le chat. Tu me fais exprès lentement. La lampe se tourne. Pas te faire de bêtises, le chat. Putain. J'ai passé un autre comme ça. Tu revois faire des conneries, je te fous la porte, hein. Mais tu fais exprès, hein. Je suis pas content là, je suis vraiment pas content.
Je vais faire le tour. Oh putain. On a les trois, est-ce que t'as un, je crois qu'ils m'entendent. Ouais, c'est pas coupé. Donc. Alors. Bizarre. On est 1, 2, 1, 2. On va couper le son, complètement. Alors, est-ce que vous m'entendez, du coup? Alors, je remets la caméra. Et voilà. On va retourner. On va refaire encore quelques petites avancées dans la game. Ouais, bah, je sais, j'ai des soucis de micro, je suis désolé. Ouais, mais le chat, il faut le refaire toute son éducation. Je pense que on va retenter la maison hantée avant de faire le boss. On va pas faire le bonus. Je pense que demain, je vous propose qu'on fasse qu'on termine le bonus, etc. Et merci Senel pour ton host. Soyez attentif. Avec un peu de chance, vous avez... Comment ça va? Bisous à toi. Merci. T'as raté un instant de rage, mais bon. Ça va très bien.
Je fais vite fait une petite pause de 2 minutes. Ok, je suis tombé. Eh, salut monsieur Patate, comment ça va? Ah, je vois que ça va, connaît la Miss Sennel. Je vous rappelle que si le live vous a plu, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à follow, etc. la chaîne. On va pas reprendre. Au pire, on fait le bonus. Non. Le bonus, ce sera à dès qu'on aura tout fini. Alors. Ah non, ça c'est ce qu'on vient de faire. Bonne nuit à toi, ma Sennel. Si tu pars te coucher. En tout cas, merci pour ton host, ça me touche beaucoup. On va essayer de refaire ce qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Oui, j'ai compris. On va se concentrer sur ce qu'on n'a pas réussi, hein. Je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Que ça soit sur le stream, en général, sur le jeu, sur moi, si c'est des questions pas trop personnelles aussi. Ou sur autre chose de cohérent. Tant que ça suit les règles du chat, ça me dit. On est... Non, c'était pas là. C'était ça. Ouais, on va la refaire. On va rechercher cette Tony Fontaine. Et fail le fiche. Et coucou Mafeo, comment ça va? Heureux plutôt. Bah, n'hésitez pas à follow, hein, comme j'ai dit. Déjà, ça me ferait plaisir. Puis ça vous permettra de me soutenir, de savoir quand je live, quand vous êtes sur Twitch. Et tout simplement, voilà. Puis voilà, c'est la première forme de soutien. Et GG, ça arrive pour ton niveau 2. Alors, number one. Hop. Ce n'est pas du speedrun, hein, c'est juste de terminer ce niveau. Exactement, c'est un jeu. Ah oui, il fait chaud. Ouais. Je suis d'accord. Et merci, monsieur Patate, pour ton follow. PS1, exactement, ça va. Exactement, c'est un jeu PS1. Donc, pour t'expliquer rapidement. Alors, je fais tous les mois, donc en plus de mes streams de jeux un peu plus récents, enfin un peu moins vieux,
j'ai décidé de faire tous les une fois par mois donc un stream de jeu rétro sur sur une licence enfin sur sur des jeux que je j'apprécie particulièrement. Et vu que la PS1 à l'époque était une de mes enfin et une des consoles auxquelles j'ai joué exactement. Ouais, oh, ouais, comment dire. Et vu que ouais, c'était un peu ma... Et que c'est une de mes consoles de cœur, là pour l'instant, je fais des streams de jeux PS1 en rétro. Aussi, déjà, un, parce que c'est ma console de cœur, comme j'ai dit. Et de deux, parce que j'ai tout simplement une manette PS. Donc voilà. Pour l'instant, en ma disposition. Donc, du coup, pour l'instant, je suis plus à l'aise sur cette manette. Allez, là, le deuxième. Alors, voilà. Demain matin, je continuerai le jeu. Enfin, je continuerai. Ça sera un peu la suite du stream d'aujourd'hui. Entre guillemets. J'ai décidé de reprendre le stream aussi le matin. Le dimanche matin. Comme à l'époque. De mes premiers streams. Ça, je suis en plus à rester concentré. Putain, toujours que je réfléchis cette map. Ah là là. Hello, 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 hello. Putain de citrouille. Hop, alors. Ça va être la troisième qu'on a faite. Il y en a une ici aussi. J'aime pas ce passage. C'est un passage que je n'aime pas du tout. Voilà. On met un checkpoint. On rush, on rush, on rush. Je connais de toute façon. Maintenant, je connais par cœur ce passage. Hein. C'est limite pour speedrunner ce passage. Même si je ne fais pas de speedrun. Deuxième que t'as fait, le passage que t'aimes pas. Et troisième. Donc troisième. Bon, d'accord, on en a fait trois. D'accord avec moi, ça va. On en a fait trois. Là, il y a la tête qui crache du feu. Tu me casses les couilles. Allez, bon. En tout cas, merci d'être 10. Voilà, ça a fait. Si on compte ceux qui sont partis entre temps, ça vous deviez être une bonne quinzaine depuis le début. Si on fait tout à l'heure, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Hein. Que vous soyez là. Voilà, c'est. Ça me touche beaucoup. Alors, bizarre, c'est qu'on avait rien vu ici. Si vous voyez une espèce de fontaine de sang, que, comme j'ai cassé tout à l'heure, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Mais re, ma petite elfe, je suis toujours sans le son. Ok, pas de problème. Dites un rebonjour et
Faites de gros bisous de ma part à la à Zelf. Non, je vois rien du tout. Pour savoir, je suis, je ne refais pas le, enfin, je suis pas resté dans la même salle. J'ai vite fait refait les lapinous et j'ai un peu galéré. Enfin, j'ai eu les trois télécommandes rouges. Il me reste plus qu'à faire débloquer la dernière télécommande. J'ai fait tous les champignons, mais il me reste encore un truc à faire et qui était un peu galère. Bon, là on n'a pas réussi. Voilà, exactement. Alors. Putain, le screamer des familles, quoi. T'as le mal à la tête quand même. Un nouveau masque. Voilà, je disais, n'hésitez pas à m'indiquer si vous trouvez une fontaine que j'aurais zappé. Allez, t'es des Dracula cracheur de feu. La salle des chiottes, l'entrée est large. Ça me paraît étrange, c'est tout. J'y retourne. L'entrée est large. Je suis dans la salle des chiottes. Pour l'instant, je vois rien. Je veux pas de fontaine de sang, hein. Voilà, là, c'est des masques de Jason. Mais je ramasse que là, dans cette map, oui. Je ramasse des crânes, des pierres tombales et des masques de Jason. Ah, oh, putain! Merci! Oh putain, t'en 4. Putain, merci d'avoir l'œil, sa voix. Alors là, franchement, j'y avais pas pensé à cette entrée-là. J'ai pas regardé, ça fait 3 fois qu'on passe à côté. C'est ça qui est une tour épine. Ah bah du coup on a fait ça du coup. Du coup on l'a trouvé. Du coup on aura tout ce qu'il nous faut pour cette zone. On refera pas de suite les lapins. Le lapin on le refera demain je pense. De manière posée. J'ai assez de. Moi je vais peut-être faire ça jusqu'à 1 heure. Putain, c'est vrai qu'il faut lui éclater sa tête. Putain, on a plus qu'une vie quoi. Excusez-moi des gros mots. Disons que je m'emporte vite. Alors là, faut rester dans la lumière. Hop. La force de ce remarque, aucune transition entre deux portes, leur change de dimension aussi énorme.
Ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre, que c'était un peu grand quand même. C'est un peu gros pour oublier. Failed. Voilà, faudra. Ouais. Je disais du coup que les prochains émotes que je ferai, que je demanderai à Kiji, et qu'on aura atteint les 5 abonnés via GameWisp, ça sera. Enfin, dès qu'on aura atteint les 7, par. Ouais, dès qu'on aura atteint les 5-7, ça sera. Ça sera GG et fail. Qui correspond très bien à mon gameplay de chiotte. Surtout que là, on n'a plus de vie. Il ne reste plus qu'une barre de vie, quoi. Si on meurt, on doit tout recommencer. Du coup, on va essayer d'être très minutieux, les amis. Fais chier! Pardon, excusez-moi. Ah, je dois tout refaire. Super, j'adore ça. Allez, on retourne. Alors, il y en avait une ici. Ouais, une caméra, fais gaffe. Là, surtout le fantôme qui me casse les couilles aussi. Là. Le fantôme que personne peut buter, quoi. Excuse-moi, Féo. C'était juste un instant de rage. C'était juste de la rage. C'était pas contrôlé, on va dire. Putain de zombar. T'as laissé tranquille. Allez. Moi j'essaye de rester soft, hein. On est quand même sur Twitch. Quand même, on a quand même du public et on pourrait avoir aussi des personnes plus jeunes qui nous regardent. Même si j'estime que au sein du chat et au sein des viewers en général, il y a une certaine maturité qui est demandée. Voilà, on sait jamais, hein. On sait jamais, il y a peut-être du nouveau. Et du duc! Ça fait plaisir de te voir sur le stream. Il y a tout le monde qui vient là ce soir. Tout le monde qui vient me voir rager sur un jeu qui date de Mathusalem, quoi. Oh là là. Putain, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir, les copains. Je sors de stream. Ah bah oui, c'est vrai que t'étais sur Mario Sunshine, toi. Ouais, je l'ai fait sur Nintendo 64. Hein, je l'ai fait sur PS1, pour te dire. Et même qu'après, quand la PS est sortie avec un pote, on l'a gardé sur... On a gardé le jeu pour le jouer sur la PS2 aussi. Alors, normalement... Du coup, né. Putain, mais ça fait plaisir de vous voir. Putain, qu'est-ce que je disais? On dépasse large les 10 follow, enfin les 10 vues. Hein. Instant fail numéro 2. Enfin, non, c'est pas l'instant fail numéro 2, c'est l'instant fail numéro. On va éviter de les compter, hein.
passer un chat pour une technique, j'ai fait Mario 64. Ah, je comprends ça. Tu l'as fait sur AMU ou via console direct, du coup? Numéro, j'ai plus de vie. Ouais, exactement ça. J'ai évité de rager, hein. Sur ta 3DS. Ah, c'est vrai que je crois que t'as l'émulateur Nintendo 64 sur 3DS, il me semble. Et l'émulateur NES aussi, il me semble. Ma barbare. Ah, c'est pas une barbare. N'hésitez pas à m'ajouter sur Friend of Future si ça vous intéresse. Oh yes. Youpi! Non, même pas. Ah si, Mario 64, c'est du rétro, hein, du coup. Ah, Féo. C'est pas parce que c'est sur une console un peu plus récente que... Moi, je suis sur mon PC et je fais de l'émulation, et pourtant, ça reste du rétro. Hein. Putain, vous êtes 12, ça fait trop plaisir. Bon, ça fait limite 20 vues, quoi, total, quoi, c'est... Mon nid m'a pas pu rester longtemps. Genre, il y a deux personnes qui étaient là tout à l'heure. Immunity 9.5 pour la version 64. C'est l'annonce sur Switch, je sais pas trop. Alors que c'est sur moi. Ouais. La version 3DS, c'est pas du rétro. Ah, parce qu'elle a été remasterisée, peut-être. Moi, ouais, c'est pas grave, hein. Ça reste un jeu de licence qui date du... C'est du pseudo-rétro, on va dire. Je ne sais jamais ce qu'il est. Parce que, ouais. Parce qu'une licence, enfin, un jeu ou une console, pour qu'il soit rétro, faut qu'elle ait minimum 10 ans d'existence. Enfin... qu'elle soit qu'elle ait 10 ans de qu'elle ait passé les 10 ans et GG Féo pour ton niveau 4. Il faut le techniquer ce petit chantier. Non, tu ne me techniqueras pas, j'ai pas eu de fail là. Ce que je viens de faire d'ailleurs, c'était pas du gros game, hein. Qui vous a dit que j'étais un PGM et que je speedrunnais les jeux? Celui qui vous a dit ça, il y aura affaire à moi. Ouais, je viens de fail. De toute façon, on a dit que la devise de mon stream. Que le slogan de mon stream, ça serait du love, du fail game. Donc, du coup, il y a forcément du fail. Hein. Ça me fait penser que je pourrais rejoindre certaines teams Twitch avec des mecs qui savent vraiment pas jouer. Non, je taquine. Mais genre, je connais des streamers. Font partie d'une team Twitch qui sont dans le credo du fail. Ah, alors c'est le deuxième. Après trop de chance. Je suis mortel.
Et pas immortadelle. Ne notez pas mes blagues de merde. Hein. Ah non, on a déjà pris ce truc, c'est vrai. Pas ce niveau. Ce niveau, je l'aime pas. Allez, le Gico. Ça grimpe sur les murs. Mais y'en a un. On l'a déjà cassé, je crois. Ouais, on l'a déjà caché. Alors, le niveau chiotte. Alors, faut refaire celui-là. Le passage que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce jeu. Je ne sais pas ce que j'ai. J'arrête pas de faire des fausses manipulations. J'aime pas les tableaux sur les murs. Ah, toi aussi tu les aimes pas, Féo. Moi, je les aime pas du tout. Ils sont pas rassurants. De toute façon, ce niveau ne me rassure pas du tout pour te dire, Théo. J'aime pas du tout cette map. On est le troisième. Bon, hop. La Super NES, ben, j'ai quelques jeux Super NES, je ferai un ému bientôt. Ah, c'est super, j'ai hâte de te voir sur la Super NES. Moi, j'ai pas trop connu hein, la NES Super NES. J'ai joué quelques jeux en ému dessus et tout, mais c'est tout. Moi, c'est plus Nintendo 64, PS1 et Dreamcast. Vraiment. La Sega aussi. J'ai un peu touché. Putain. Non, on va pas sauvegarder. Si on appuie sur le bouton vert, c'est la sauvegarde. Donc, non. Putain, la caméra qui me casse les roupignoles, hein. Pour être correct. Alors, grâce à la Misawada, on a le quatrième. Merde, et en plus je sais pas diriger mes personnages. Barbaros. Ouais. GG du duc pour son niveau 3. Ça progresse vite, hein. Tu dois esquiver le monstre. Les monstres que tu peux esquiver facilement à portée du masque de cracheur de flamme. Il est pas assez haute pour faire toute la plateforme. Ouais. C'est ce que j'essaie de faire, un truc dans le genre. De la life. Mais Kuya approuve. C'est une berbère. Alors. Niveau. Ouf. On est chaud. La citrouille. Bah, Mr. Jack est mort. T'aimes pas ça. Allez, Chucky. Oh putain de. Voilà. Excusez-moi. Les gros mots. C'est quoi de l'utopie? Va ta fenêtre suivant grand et tu gueules vos gueules et moutards de merde. Non, je vais pas le faire, mais franchement, parfois, je me tâte à engueuler les mecs qui sont dans ma rue. Mais vu que je suis sur Marseille, j'ai pas envie de me prendre des représailles, en fait. C'est surtout ça. C'est chiant, ça. Putain, je vais tout refaire. Allez. Putain. Putain, mais je suis vraiment pas doué, quoi, mais... Là, là. Champi.
Champi, le fail. Oui, c'est du fail, j'avoue. Alors, le premier. Le fail ou pas, j'aime pas ce niveau. J'ai que 6, tu peux les esquiver. Sans jamais de son semi-étage. Putain de Frankenstein! Pardon, excusez-moi, ma cherche un popcorn spécial fail. Je joue pas, mais j'aime pas ce niveau. Mon préféré des Gex. C'est un petit voisin qu'on entend là. Quand tu te prends pour Godzilla. J'avais oublié ce passage. Si je meurs, je pète un câble. Portrait du boss. J'aime pas ce niveau. Je sens que je vais me... Tant que le fantôme ne me touche pas. Hein? D'accord? Ouais, ça m'a repris la live. Hop, ça fait 1. On va reprendre ce d'avant, du coup. Alors si on va pas approcher trop du fantôme. Hein. Alors on s'en fout du checkpoint. On est fou d'une PLS à 9 pétages de plomb. Pétage. Tu veux qui veut me voir péter un plomb? Je vais éviter de trop péter des plombs. Allez, ça fait 2. On peut casser des fontaines de sang si tu veux. Ah là là. Ouais, j'ai fait être en PLS, genre tout à l'heure. J'ai le droit à l'instant. Vraiment un instant de pur bonheur. Simplement parce que j'ai des viewers d'amour. Allez, la citrouille. Tu vas finir en soupe. Ouais, je suis désolé hein, si je refais les niveaux en boucle. Demain matin, normalement, je ferai la suite. Moi, j'ai prévu de streamer demain matin. Pour reprendre un peu les streams du dimanche matin, comme bon vieux temps. Alors, et c'est qu'on va fail encore, oui ou pas? Non, on va pas fail parce que merde, on a fail. Nier. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais bon. Marc, je suis bon en anglais, hein. Va-t-il réussir ou va-t-il faire la suite au prochain épisode? Ah, peut-être que bon, je pourrais faire ça à la fin du live. Ah la la. Avec une voix grave. Avec une voix de narrateur, 3. Non, c'est une mouche, le feu.
pète tes câbles, le lézard, quand même. On dirait moi. On sait jamais. Moi, je peux pas trop faire la voix grave. Enfin, j'ai une voix grave, mais pas assez grave pour faire une grosse voix grave. J'ai pas une voix de barbare. Je vous rappelle que mon personnage est un farfadé ou un elfe, donc j'ai ma réputation d'elfe à tenir. Ah loli. Attendez, je crois qu'il y a des mouches à prendre. Monsieur Mouche. Non mais non, j'avais toute la vie là. J'avais toute la vie devant moi. C'était la blague du jour. C'était Mister Blague. Mister Blague. De merde. C'est trop femme pour faire un nouveau grade. Qui est une barbare ici? Toi? On a pensé à la même chose du Dink. Oui, c'est la barbare d'Hyrule. Alors, ça on l'a déjà pris. Ça c'est chiotte. Non. Ça c'est le niveau chiant. Le niveau que j'aime pas. Je suis une douce tweet. Ça dépend si quelqu'un apporte du noir, tu peux paraître pas très doux. Putain! J'aime pas ces mobs! Tu es douce, mais tu as la. Mais tu as du caractère. Voilà. Ce champi, tu vis avec quelqu'un ou c'est tes voisins qu'on entend? Non, j'entends personne. Ça doit être les voisins. Pas de problème, merci à toi Cyril. Ah, ça doit être dehors, ça doit être dehors. Parce qu'en fait, j'ai la rue qui est juste devant chez moi, du coup j'entends tout. C'est ça qui est assez désagréable. Et en tout cas, bonne nuit à Stia. Bonne nuit à toi. N'hésite pas à follow la chaîne si ça t'a plu. N'hésite pas à revenir aussi, ça me fera toujours plaisir. Attendez, un jour on va couper le passage. Quatre. En tout cas, c'était super sympa de t'avoir eu ça en notre live. N'hésite pas à repasser, n'hésite pas à me follow sur les réseaux sociaux pour savoir quand mes prochains lives et à m'ajouter sur Spark. Avec Spark, pardon. Ça on l'a fait. Alors non.
Mais qu'est-ce que je fais là? Je fais rien du tout. Je joue. Non, je tournais juste en rond. Là, j'essayais juste de... Enfin, j'avais oublié le... La fontaine de sang. Voilà, on l'a eu du premier coup. Super. Bon. Je pense, de toute façon, demain, on aura droit à la suite. Hein. J'essaie de terminer ce niveau et je pense qu'on arrêtera là pour ce soir. Le Chucky, tu peux ignorer, il descend jamais. Ouais. Moi, ça, ça donne toujours des points, donc... Le passage du fail, ultime... Oh. Yep, je sais, faut que j'anticipe, ouais. C'est ce que je n'ai pas. Trop greedy. Ah, c'est pas l'histoire d'être greedy, c'est juste une histoire de faire les 100% niveau score, en fait. C'est d'avoir tous les points, d'avoir tous les masques, en fait. Et re, Mara! Pas de problème, t'inquiète pas, Mara. Bon, de toute façon, après, les masques, on pourra les refaire en prochain stream. Nouvelle. Ah, douce et charmante Mara, qui nous illumine de son... de sa présence, de son âme, de sa gentillesse sur les streams. Donc ouais, des câbles. Il me reste qu'une barre de vie, c'est chiant. Putain, j'aime pas ce passage. Le compte pour du beurre, champi, c'est aimé. Mais non, j'ai dit... Je suis pas dit que tu comptais pour du beurre, c'est aimé. Voyons, c'est très bien que je... Que toi aussi, je suis trop bien. Mais je disais juste que... Je parlais de Mara parce que Zelf disait parler de Mara. Toi aussi c'était t'illumines les lives de ta présence. Hein. Allez, gros. Je commence à fatiguer. J'ai tellement enragé que mon cerveau il est en mode. Non. Mon cerveau il dit non. Putain. Un tir au pigeon sur des motos. Je suis désolé. J'ai aéré la fenêtre en fait. Alors là il y en avait. Il y en avait un là. Je m'en rappelle. Maintenant, je connais par cœur quasiment tous les passages. Il en manque juste... Enfin non, on a tout maintenant, en fait. Mais fail. This is a fail show. Putain, je suis vraiment nul. Là, ça sent l'essence en plus, je vous raconte pas là. Des gens qui ont que ça à faire que de faire brûler, de faire cramer leur pneu en faisant des dérapages quoi. Ou en surconsommant de l'essence.
Ah voilà. Et là tu sautes, champi. Yes. Et voilà. Victory. Ah bah j'arrive pas à le faire. Attendez. Victory. Il fail, putain, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, je referai demain. De toute façon,